Salut à tous, c'est Protoxic 166 et on se retrouve sur l'intégrale de The Crew pour l'épisode 10. Alors dans cet épisode, je vais vous montrer tous les nouveaux véhicules DLC qu'on a reçus pour le mois de février, le Speed Car Pack. Alors ça commence avec l'Alfa Romeo 4C, donc je vous laisse admirer. Donc ça c'est la version full stock hein, qui sort du concessionnaire, toute belle. Tout au long du trajet, je vous montrerai différents véhicules. On va changer régulièrement. Donc, je vous montrerai les différentes versions de cette voiture. Je vous montrerai la Saline S7, ainsi que la Mercedes Black Series. Je vous montrerai le modèle exact. Donc, on a un petit road trip à faire ensemble pour commencer. Hop. Et puis, ce que je ferai, c'est que à peu près, on va dire, tous les 4-5 km, je change de voiture. Voilà. J'espère que vous allez bien, je suis content que ça vous plaise cette série. Vous êtes de plus en plus de nouveaux abonnés à découvrir ma chaîne, à découvrir mes vidéos The Crew GTA V, et puis aussi à découvrir que je fais principalement sur ma chaîne des jeux de zombies, des jeux de survie et des survival horror. Je vous invite à aller voir mes playlists pour ceux qui ne seraient pas au courant. Ça fait plaisir quoi. Alors, là j'ai pas de nitro, je peux pas aller plus vite pour l'instant. Donc c'est déjà pas mal. Je la trouve sympa, je vais vous montrer l'intérieur de base, comment il est. Un super beau compteur, tout ça. Donc c'est de nuit, hein. On voit pas trop bien l'intérieur de la voiture, mais voilà. Tout en conduisant, je vais vous montrer la version... Alors je vais aller chercher les voitures. Je vais vous montrer donc la version street. Non, la version performance de cette voiture. Alors... Donc c'est une Alfa Romeo. Il faudra que je la retrouve dans... J'ai tellement de bagnoles. Ford Focus, Dodge Ram. Alors... Donc voilà, c'est parti pour une heure de détente. Voilà, elle est là. Alfa Romeo 4C. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je la trouverai juste... c'est une tuerie cette voiture. Alors je l'ai personnalisée avec un dragon, un serpent, un serpent dragon cracheur de feu, exactement comme le logo Alfa Romeo, qui a un serpent cracheur de feu. Donc je trouve que ça lui va super bien, ça se marie bien avec la couleur. Elle est équipée d'une couleur anodisée, avec beaucoup de parties noires et carbone. Donc vraiment une super voiture. Donc on continue. L'intérieur est un petit peu personnalisé aussi, mais on verra pas très bien là. Donc ce coup-ci j'ai la nitro. Déjà beaucoup plus puissante. Alors moi les Alfa Romeo, ce que je peux vous en dire c'est que bah, j'adore parce que là j'ai revendu ma voiture, mais j'avais une Alfa Romeo 159. Donc c'est une voiture de type berline, sportive, vraiment sympa, avec une belle gueule. Donc j'aime bien quoi, le charme à l'italienne. Mais là on tape dans des sportives, hein, c'est autre chose. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Ce que j'adore, c'est les feux. Donc les feux, c'est moi qui ai personnalisé les feux à l'arrière qu'elle a là. Feu de position. Regardez, 270, tout ça, c'est déjà autre chose. Hein. Déjà plus puissante. Donc ça, on va aller de plus en plus vite parce que je vais prendre des véhicules de plus en plus intéressants. Donc je vais changer déjà pour vous montrer un autre véhicule du Speed Car Pack. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a dans les... Je vais vous montrer la version de base. Alors, donc comme ça nous passe le trajet, ça nous occupe. Je vais vous montrer la Mercedes. Alors, que je la retrouve. Alors, c'est pire que utiliser son téléphone portable en conduisant, là, ce que je fais. Viper, Nissan Skyline, Ford Focus, Abarth 500, Mini Cooper... Alors, Grand Cherokee, Raptor, Saline, voilà la Saline, je vous la montrerai aussi. Mercedes, ah c'est celle-là, Black Series. Alors regardez-moi ça. Donc ça c'est la version toute normale, hein. Elle est déjà super cool. La classe en blanc, les jantes officielles, voilà. Donc vraiment une super belle voiture, à la fois sportive et luxueuse. Je vais vous montrer l'intérieur qui est juste une tuerie.
Donc des super compteurs. Ah là, on verra bien. Voilà. Le charme allemand. Donc je vais rouler un petit peu avec et vous allez voir la différence avec la version performance. Donc c'est la version Black Series. Et vous allez voir, j'ai fait, je me suis amusé pour la personnalisation. Donc petit à petit, on se rapproche hein, de la prochaine mission. Donc toujours dans les missions principales de la campagne. Alors, donc je vais voir à combien je peux la monter sans nitro déjà. Parce que là, j'ai pas de nitro. 230, tout ça, ouais, ça y va doucement. Hein. Sacrée caisse. Elle fait un beau bruit aussi, hein. Assez grave. Alors, donc maintenant je vais passer à la version performance. F. Alors, celle-là, elle existe en performance et en circuit, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors. 4C, Saline, Mercedes, elle est là. Black Series. Alors regardez-moi ça. Donc pour ce qui est de la personnalisation, j'ai mis une peinture. On va se mettre sous un lampadaire. J'ai mis une peinture mate avec des parties carbone. Des jantes officielles noires aussi. Voilà, ça donne un côté encore plus sport. Vraiment une sacrée belle voiture. L'intérieur est tout en cuir noir. Ah puis là ouais, au niveau de l'accélération, c'est autre chose. Hein. Regardez-moi ça. Je suis fan, hein. J'adore cette voiture. On est déjà à 300. Hein. Ouais, donc il y a vraiment une différence avec la version full stock. 320, vous voyez. Alors, donc tout en conduisant, je vais vous montrer maintenant la version circuit. Alors la version circuit, c'est juste une tuerie. Hop. Mercedes AMG. Donc là, j'ai voulu jouer dans les tons plus flash. Donc j'ai utilisé du blanc. Oula, les flics qui me traversent. Alors là, c'est une peinture anodisée, blanche. Sur ce type de voiture, pour l'instant, on n'a pas le droit de mettre d'autocollant. C'est des voitures qui ne bougent pas. Pareil, l'intérieur, on n'a pas le droit de personnaliser. C'est une voiture qui reste comme ça. Des jantes personnalisées aussi, circuit blanche. Voilà. Donc de toute façon, pour ce qui est des kits street, vous n'avez pas possibilité de modifier le pare-choc, le spoiler, c'est un kit complet, il n'y a rien à faire dessus. À part changer la couleur de la voiture et changer les jantes. L'intérieur avec des arceaux de sécurité, tout ça, c'est voilà, c'est vraiment une voiture de circuit, quoi. Écoutez le bruit qu'elle fait. C'est énorme. Et puis elle a des élargisseurs, tout ça, des prises d'air, elle est beaucoup plus grosse. Regardez un peu la vitesse qu'on fait. Faire un petit 300 km/h au milieu des voitures. Voilà. Alors, on va vite. Tiens. Commence à devenir embêtant, petit. C'est mon grand défaut. T'as l'air du genre direct. Je te propose une chose. Une course. Nous deux. Le vainqueur reste. Le perdant quitte la région. C'est où tu veux. Voilà, justement, c'est ce qui nous attend, c'est cette fameuse mission. J'en profite pour ceux qui débarquent sur la vidéo, parce que comme j'intitule l'épisode à chaque fois qu'il y a des DLC, j'intitule l'épisode, le nom du DLC de février. Je sais qu'il y en a qui viendront pas regarder entièrement le Let's Play, mais simplement les nouvelles voitures. Donc j'en profite du début d'épisode pour vous montrer tous les DLC. Parce que c'est pas tout le monde qui pense à ça, faire des vidéos spéciales pour montrer les DLC. Ça peut motiver certaines personnes d'acheter le Season Pass, tout ça. Alors la Saline S7, qui est une voiture qui date un peu déjà, mais qui est vraiment mythique. Donc elle a un bruit particulier, hein, vous entendez? Vraiment énorme. Elle a un turbo aussi. On entend bien son turbo. La compression, tout ça du moteur. Les gaz. Donc ça c'est la version toute basique, hein, avec sa couleur d'origine. Donc l'intérieur est juste magnifique. C'est ça qui est vraiment... Moi, j'apprécie beaucoup plus Vecrew que GTA V pour les voitures, puisque vous avez les vraies voitures modélisées fidèlement. Ce ne sont pas des imitations. Et à l'intérieur, ce ne sont pas des copier-coller comme dans GTA V Next Gen. Vous avez les vrais intérieurs des voitures, quoi. Officiel. Voilà.
Donc maintenant, je vous montre la version performance. Donc, performance. Donc, je crois, Saline S7. Et puis, tout en parlant, on se rapproche de la mission. Hein. On perd pas de temps. Voilà. C'est une twin turbo, donc biturbo. Donc, on entend la double compression du gaz. D'ailleurs, normalement, moi j'avais une voiture. On devrait avoir un compteur de. Pour le turbo, on voit la pression du gaz se faire sur le compteur. Moi, sur mon Alfa Romeo 159, j'avais ça. J'avais un compteur où je pouvais voir la compression du gaz se faire. Donc, beaucoup plus d'accélération, c'est une tuerie. Au niveau de la personnalisation, c'est une peinture orange anodisée, avec plein de pièces carbone. Et puis, pour ce qui est du sticker, j'ai trouvé un truc original. C'est une saline, je me suis un petit peu inspiré de la ville de Salem, la ville des sorcières. Et j'ai voulu jouer sur le jeu de mots, j'ai fait la Salem S7 biturbo, avec des corbeaux et des sorcières dessus, quoi. Une personnalisation qui lui va bien, quoi. Voilà, j'aime bien ce truc. Après, la version circuit, qui est juste quelque chose de magistral. Alors, et après on attaque la mission, promis. Alors, comme ça on aura vu tous les véhicules. Saline S7R. Ah, c'est carrément la version... Regardez-moi ça, cette tuerie. Ça a rien à voir, là. Donc, à l'intérieur, il y a des arceaux de sécurité. La voiture est hyper allégée. Je lui ai mis des jantes officielles de Saline. Avec les stickers de course, tout ça. Et là, c'est une fusée, le truc, hein. Donc je suis vraiment content des nouveaux véhicules DLC. Entre l'Alfa Romeo, la Saline et la Mercedes. Voilà. Un bruit vraiment de la puissance, quoi. Donc on va s'attaquer à cette mission. Donc c'est une mission qui se joue en street. Donc on va prendre un véhicule que je vous ai pas encore montré. Alors voyons voir. Il faudrait utiliser une voiture street, donc je vais prendre quelque chose d'autre. Voilà, je vais vous montrer ce véhicule pour la course. Donc c'est une Jeep Grand Cherokee version street. Donc au niveau de la personnalisation, ça fait assez classe, assez officiel, ça fait voiture de chasseur de fantômes. Ça me fait penser aux équipes de TAPS, chasseurs de fantômes, qui se pointent avec leur gros 4x4. J'aime bien, franchement. Commence à devenir embêtant, petit. C'est mon grand défaut. T'as l'air du genre direct. Je te propose une chose. Une course. Nous deux. Le vainqueur reste. Le perdant quitte la région. C'est où tu veux. Et ben voilà, c'est parti pour cette fameuse course. Donc ça va être un V6. Un contre un. Merde, c'est qui ça? Plus tard, allez, roule. C'est les flics, Alex. Mais comment tu peux... Plus tard, pour l'instant, c'est les... Eh ben dis donc, ça commence bien. J'ai combien d'étoiles là? J'ai 4 étoiles. Suspect nous emmène au nord. Oh, y'a même un hélico. Zoé, t'as entendu ça? Ouais. Je sais pas qui c'était, mais c'était pas Coburn. T'as localisé l'appel? J'ai essayé, mais c'est impossible. Je l'ai en vue, Central. Merde. Je vais me faire avoir, là. Vous croyez que ce type pensait pouvoir échapper à un hélico? Sans prix. Bon, bah on a l'hélico sur le dos, ça craint, il y a des barrages de partout. Je vous dis, cette mission, ça va être action. Hein. Ça va être la folie. Hein. On va essayer de prendre de la vitesse dans la ville. Alors, surtout l'hélico là, ça va être un petit peu embêtant pour moi. Allez, concentration. Bon, les hélicos au bout d'un moment ils doivent refaire le plein de kérosène, donc il va pas me... Merde. On se casse, on évite les barrages. Le suspect a pris la direction du nord-ouest.
Alors ça risque d'être, ça dure, risque de durer longtemps, les courses poursuites comme ça, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Ah, il m'a revu quoi. Alors pour les courses poursuites, je conseille d'utiliser les plus grandes lignes droites pour les, pour justement les semer, et surtout les rues avec beaucoup de ruelles pour pouvoir slalomer. Plus il y a de ruelles, plus on peut slalomer, plus on peut les perdre du champ de vision. Il a pris la direction du nord. Centrale. La cible n'est plus visible. Oui, bah autant mieux. Ah, c'est terrible cet hélicoptère. Merde, barrage. Ok, bien compris. Centrale, on doit l'arrêter tout de suite. Il a disparu, centrale. On n'a plus de visuel. Bah tant mieux. Bien compris. Poursuivez les recherches et attendez les instructions. Centrale, on doit l'arrêter tout de suite. Bon, je commence à... Je vais m'en débarrasser, là. Là, le flic m'aura pas vu. Petit à petit, j'ai baissé mon niveau de recherche et voilà. Voilà, bon, j'ai au moins eu l'or. Je sais pas si ça va améliorer grand chose. Non, je pense pas. Parce que mes véhicules sont boostés à mort. Au niveau 40 dans toutes les pièces. Ah oui, je vais en profiter aussi pour... On m'a demandé... donc je sais qu'il y en a plusieurs qui vont me demander ça. On m'a demandé... Il y en a qui débarquent dans le jeu, qui n'ont pas le jeu depuis longtemps. Ils savent pas comment jouer au multijoueur, comment faire des courses, comment se faire beaucoup d'argent. Je vois que tu es toujours libre. Plus ou moins. Alors, t'es qui ? J'aime bien le mystère. Je t'ai à l'œil. Voilà. Donc, un petit coup de téléphone de Zoé, comme d'hab. Non, bah, elle appelle pas. Ah oui, je vais en profiter dans cet épisode pour vous montrer comment vous faire beaucoup d'argent. Bien qu'il y ait déjà eu des vidéos là-dessus, mais moi, j'ai ma méthode. Et puis, comment améliorer les véhicules en platine à 100%. Et cela très rapidement. Donc on m'a demandé récemment comment on faisait pour accéder au multijoueur. C'est très simple. Déjà il faut que vous soyez un personnage de niveau 10. Donc là je suis niveau 50, c'est tranquille. À partir du niveau 10, vous utilisez votre map. Vous mettez avec les onglets le mode joueur contre joueur. Vous intéressez que aux hexagones, donc comme ça, jaunes. Il suffit d'aller dessus, pas besoin de faire voyage rapide, surtout pas, il suffit de faire jouer, donc je vais le faire. Jouer, il faut absolument se mettre en partie publique, parce qu'en privé on gagne pas d'argent, donc je me mets en partie publique. Et ensuite, chacun pour soi, parce que faction contre faction, faut trouver 8 joueurs, ça prend du temps à créer un salon. Et en chacun pour soi, vous êtes sûr de faire vite des sous. Donc à partir du moment, là, on peut continuer à jouer, je vais regarder, je vais retourner dans le truc. Je peux faire des défis, trouver des véhicules, visiter des points clés, jouer à Vecrou, faire tout ce que je veux. À tout moment, le salon va se lancer. Là, il a déjà trouvé 2 joueurs, vous pouvez regarder en haut à droite. Voilà, je me balade, je fais le compte, ça. Et dans pas longtemps, on va pouvoir avoir rentré dans le salon. Donc après, je vous expliquerai un petit peu des astuces, tout ça, ce qu'il faut faire. Tiens, déjà 3 joueurs. Voilà, ça a bientôt commencé. D'ailleurs, là, il y a un autre salon ici. Ah bah voilà, c'est parti. Donc quand on arrive dans un salon, si on est chef du salon, on a possibilité de choisir nous-mêmes le type de course et la voiture. Le type de course. Et si on peut mettre le mode collision ou le mode trafic. Mais sinon, vous avez rien d'autre à faire, vous, personnellement, de choisir la course. Donc c'est moi qui choisis, je suis... Alors, en attente des joueurs. Donc je vais peut-être être le chef de... Non, c'est peut-être pas moi. Non, alors le chef, c'est Dark Devil, parce qu'il a la couronne, c'est lui qui choisit la course. Donc, il faut décocher collision, c'est ce qu'il a fait, pour pas qu'on puisse se rentrer dedans. Le trafic, j'aime bien le décocher moi aussi, parce que c'est horrible de se prendre des voitures, surtout qu'on est censé faire des courses. Donc, dans les courses, les voitures sont enlevées. Donc là, c'est un circuit, donc ça va aller, il n'y aura pas de voiture. C'est très important, ce mode collision, de le désactiver, parce que vous allez être emmerdé par les joueurs, vous allez rager, vous allez vouloir arrêter votre course, et au moins, ça se joue à la performance. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à choisir un véhicule, vous avez le droit qu'à un choix. Après, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je vais vous montrer la Dodge SRT10, là. Donc c'est en version circuit. Donc, hein, je récapitule. Choisir l'épreuve, choisir la voiture, et après, c'est parti.
Donc là, on va avoir une course de type circuit. Et même si je perds la course, je me ferai 15 000. Si je suis dans le podium, je me fais 16 000. Et si je suis premier, je me fais 17 000. Donc en moyenne, vous faites 16 000 tout le temps. Hein. Ça sert à rien de rage quitte la course. Vous la finissez à tout prix, dans tous les cas. Et vous avez votre argent. Alors, ça sera intéressant de vous montrer un petit peu de multi pour une fois. Donc moi j'ai la nitro dès le début parce que je suis à plus de 100 km/h, ça vaut le coup. Elle va se recharger dans les lignes droites. Donc regardez, là on peut se rentrer dedans étant donné qu'il n'y a pas le mode collision. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que il n'y a rien de plus perturbant de faire une course qui dure 10 minutes, un quart d'heure et qu'à la fin le mec vous rentre dedans et vous fait tout perdre quoi, vous passez dernier. Voilà. Donc ça, ouais, ça va être un anneau. C'est une course d'anneau, donc une grosse course de vitesse. On est déjà à 410 km/h. La voiture, elle tient bien dans les courbes, hein. Là, je freine pas, hein. C'est la voiture se plaque avec la force. Voilà, hop. Donc là, les mecs, ils ont fait un meilleur départ. Je sais pas, ils ont une meilleure accélération. Ils seront devant tout le long, je pense. Alors, à savoir que c'est une course qui est très longue, puisque nous avons 5 tours, mais en réalité, 5 tours, c'est 3 tours de circuit. Donc ça fait 3 fois 5. Donc on aura 15 tours en tout. Donc 15 tours d'anneau. Donc je vais vous passer ça. Je vous retrouve tout de suite après, vers la fin du circuit. Allez, à tout de suite. Voilà, ben, on arrive à la fin. On se reprend ici. J'ai plus qu'à finir la course. Je suis même pas obligé de la finir d'ailleurs, pour vous dire. Étant donné que même si j'arrive pas à la finir dans le temps imparti, je gagne quand même mon argent. Donc, pour bien vous montrer l'exemple. Là, je suis dernier. Maintenant, l'argent va arriver. Alors, j'en vois beaucoup qui sont pas au courant qu'ils gagnent de l'argent, même s'ils ont perdu. Alors souvent je vois des gars qui rage quittent dès le début en fait. Au premier accident, au premier virage, ils quittent la partie. Mais s'ils savaient qu'ils sont même pas obligés de finir la course en entier avant la fin du temps imparti. Regardez, 16 000 bucks. 16 000 bucks à être quatrième. Donc après, ainsi de suite, on retourne dans le salon. Quelqu'un choisit à nouveau une course. Ça peut être du dirt, ça peut être du circuit, ça peut être du street. Il y a de tout. Donc on va sortir. C'était juste pour vous montrer le multi. Voilà. Et y a donc avec cette méthode, vous faites 16 000 bucks toutes les. Allez, le temps de finir une course, le temps du. Toutes les 5 minutes, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, maintenant, on va continuer dans les bagnoles. Je vous ai montré toutes les voitures DLC, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va se diriger vers la prochaine course. Alors, prochaine course, elle est où? Ah oui, c'est vrai que j'ai été téléporté à ce salon. Mission scénario. Voilà. Prochaine course, elle est là. Travail au corps. Donc, on était à Dallas. Et on va remonter là-haut. Voilà, je suis retourné à Dallas suite à cette fameuse mission course-poursuite. On va continuer à partir d'ici. Donc je vais vous montrer un véhicule. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser de sympa? Alors on va prendre un véhicule rapide justement pour faire le trajet. Véhicule circuit. McLaren, Ford Mustang. Voilà. Alors je vais faire pause. Allez, ben on est parti. Donc au niveau du trajet, je vais mettre juste un petit marqueur. Et on aura une course de dirt à faire. Pour avancer toujours dans la campagne. Ok.
Bon, et puis je vais profiter du trajet pour vous dire un petit peu des playlists que j'ai qui sont pas très connues sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver du Walking Dead. Vous pouvez retrouver du Fallout New Vegas, du Dead Island. Du Minecraft. Du State of Decay, State of Decay Breakdown, State of Decay Lifeline. Le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes. Y en a tellement, j'ai même pas envie de tout vous citer. Mais allez voir sur mes playlists, tout simplement. Il y a toutes les playlists que j'ai mis sur ma page d'accueil et toutes les playlists qui sont dans l'onglet playlist tout court. À vous de fouiller. Ça me fait plaisir. Hein. Là, je viens d'avoir un abonné qui m'envoie un message pendant que je vous fais le let's play. Et je vais vous le lire. Il me dit, je viens de découvrir ta chaîne. J'adore ce que tu fais et je vais me taper tous tes anciens épisodes. Vous voyez, donc, comme quoi. Allez. Oh là là, le bruit qu'elle fait, cette caisse, c'est énorme. Alors, en parallèle... Alors, c'est comment, Miami? Des moustiques et tout le bordel? Omar, qu'est-ce que tu me veux, cette fois? Bonjour, l'accueil. C'est moi qui ai quelque chose pour toi. Le mec que tu chasses, Cam. Tu veux savoir comment il se fait du blé? J'écoute. Va à l'endroit indiqué sur ton GPS. Bah, on y arrive. On arrive aussi au champ d'éoliennes. Juste une petite parenthèse. Je me suis acheté aussi Need for Speed Rivals pour comparer un petit peu avec The Crew. Alors, Need for Speed Rivals, si je devais vous faire la comparaison un contre un avec The Crew, Need for Speed Rivals est plus beau. Il y a des effets incroyables de lumière, de pluie, d'orage, de poussière, de feuilles et tout, ça vous en met plein les yeux. Voilà par rapport à The Crew qui est un très beau jeu quand même. Ensuite, la map dans Need for Speed Rivals, elle est très petite, énormément plus petite que The Crew. Elle est même minuscule à comparer des États-Unis dans The Crew. Elle est très bien faite, elle est sympa, il y a des environnements de neige, de désert, de ville, il y a de tout quoi. Mais je préfère The Crew pour la map. Ensuite, il n'y a pas les intérieurs de véhicules, donc je préfère The Crew pour ça. Après, c'est sympa qu'on peut incarner la police et personnaliser ses propres voitures de police, donc je préfère Need for Speed Rival pour ça. Après, au niveau du scénario, il n'y a quasiment pas du tout de scénario, c'est juste des courses à faire en ville et tout, capturer des joueurs en tant que flics. Alors là, je préfère franchement et de très loin le scénario de The Crew pour ça. Voilà, encore un point pour The Crew. En termes du gameplay, je préfère vraiment la conduite de The Crew. Puisque dans The Crew, vous avez, en fonction de vous mettez la difficulté, vous avez vraiment l'association que les véhicules dérapent, sont difficiles à contrôler. Vous voyez vraiment l'amélioration avec le temps, avec toutes les pièces que vous pouvez mettre dessus jusqu'au niveau 50. Alors que dans Need for Speed Rivals, voilà, on sent qu'il y a une petite conduite automatique qui se fait. Et je peux vous assurer que quand vous prenez des virages, vous avez vraiment le volant qui tourne légèrement tout seul. Et ça se ressent. On sent qu'il y a une direction assistée. C'est même pas une direction assistée, hein, c'est une direction... Comment expliquer ? Ça tourne tout seul. Ça vous aide dans les virages. La voiture, elle freine... Je veux dire, on sent que c'est une conduite très arcade. Donc je préfère la conduite de The Crew pour ça. Donc au final, moi je vous dirais Need for Speed Rivals si vous avez envie de voir des environnements différents. Et un très beau jeu avec beaucoup de voitures qui sont juste magnifiques. Bah, vous pouvez jouer à Need for Speed Rivals. Mais après, pour la liberté, les possibilités et la taille de la map et le détail des intérieurs des véhicules, je vous conseille The Crew. Mais les deux sont bien dans leur catégorie. Allez, c'est parti pour la course. Donc, c'est une course dirt. Donc, faut absolument que je change de voiture avant. Je veux pas qu'on soit cantonné à cette Ford Focus qu'on connaît par cœur. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer en dirt aujourd'hui? Voilà la photo. Alors, la Skyline GTR, on l'a pas vue. Voilà. Donc ça, c'est ma Skyline version rallye.
Donc j'ai voulu rester dans les tons bleus, toujours, avec une peinture qui se marrait bien avec le tout-terrain. Voilà. Donc, voiture sympathique. Allez, c'est parti. Hop. Détruire la cargaison de Cam. Ok. Donc ce Cam, c'est déjà un salaud parce qu'il nous a envoyé les flics. C'est une grosse balance. T'as vu tout ce que je fais pour toi ? Je t'ai préparé une bagnole. Monte dedans et attends. Et après ? Tu verras le moment venu. Les 510 contrôlent l'autoroute. Cam leur passe au-dessus. Détruis les paquets avant que ces gars débarquent. Chaque paquet va chercher dans les 800 000. Explose-les tous et traîne pas en route. Je vais avoir de la compagnie ? Les hommes de Cam vont pas tarder, dépêche-toi. Bon bah finalement, un véhicule raid fera bien l'affaire, vu qu'il est fourni. Ah, c'est original ça. C'est original, mais en même temps, je vous dis, c'est très stressant parce que si je... C'est pas comme un virage qu'on loupe et qu'on continue. Si je loupe la cargaison, je dois retourner en arrière pour être sûr de bien la percuter, quoi. Et en plus, je vois pas où je vais. Alors, c'est un peu comme le défi destruction. Voilà. Oula, là, on va faire un combo. Oh bah non. C'est la folie. Et franchement, faut vachement se fier à la carte. Hein. Bon, ils sont un petit peu amusés les hélicos. Hein. C'est un jeu vidéo bien sûr, parce que en vrai, on n'aurait jamais eu autant de cargaisons larguées comme ça dans la nature. Là, il faudrait au moins 150 hélicos pour larguer autant de trucs. Attention, il en reste combien ? 28, ça, il faut que je me dépêche. Oh, je sais pas où passer, là. Il y en a là. Champ pétrolier. Ah, puis aussi, si je dois... Oh là, maintenant, faut s'amuser. Pareil, ce que je préfère dans The Crew, c'est que c'est vraiment open world. Vous pouvez aller partout. Par rapport à... Comment dire ? Un Need for Speed Rivals où vous êtes cantonné dans des circuits fermés, des routes fermées. Il n'y a pas de, vrai hors-piste en réalité. Ah, c'est pas vrai, faut vraiment les enchaîner. Hein. On va faire un max. T'en es à la moitié. Ah bah, je me dépêche. Ah, c'est pas vrai. T'as 50 secondes, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est faisable. Oh, on voit rien. Il y en a encore là. Il y en a partout. Ça nous oblige à aller dans tous les sens. Hein. Je vais essayer de m'enchaîner un bon paquet, là. J'en vois juste ici. Ça marche. Et à la bourre. Voilà, c'est bon. On a réussi, fallait que j'en fasse 80. Ouf, c'était chaud. On avait le choix, fallait détruire entre 80 et 100 caisses en tout. Donc, voilà. Je sais rien sur toi. D'ailleurs, t'es qui, toi, d'abord ? Du calme.
On se connaît. Non. Coburn? Coburn, c'est moi le boss. Shiva a oublié ce détail, alors je le retire de mes associés. Fais ce que je te dis. Gagne des courses. Prends des scalps. Et tu seras V8. Déçois-moi. Et je t'efface. T'as pigé? J'ai pigé. Je te rappellerai. Ok, bon. Alors, je vais faire une petite pause technique. Donc, hop. Voilà, désolé pour la petite ellipse. Ouais, Coburn, le fameux mec qui bosse pour le FBI, mais qui est corrompu en réalité. Celui qu'on essaye d'épingler avec Zoé, d'ailleurs. Ça avance, hein, cette petite fameuse histoire. Donc je vais devoir continuer à travailler pour lui, justement. Voilà, donc on a une mission maintenant à faire à la Nouvelle-Orléans. Donc comme on vient de faire le trajet il n'y a pas si longtemps avec tous les véhicules, on va directement se TP à Orléans. Même ça sert à rien si je prenne le train ou quoi, c'est pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se TP à l'entrée de la ville. Et ce sera une course street, donc je vais encore choisir un autre véhicule pour vous montrer ça. Hop. Dossier CAM prend trop de temps. Luis Caliente est le pilote numéro 1 de CAM. Il opère à la Nouvelle-Orléans. Élimine-le. En public. CAM perdra la face et il aura des problèmes de fric. Tu me suis? Je te suis. Allez, c'est parti avec ma petite Mini Cooper que j'adore. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour m'acheter une nouvelle voiture, là, vu que j'ai revendu ma voiture suite au fait que j'ai été licencié et que j'avais des problèmes d'argent. Mais maintenant que j'ai des sous de côté, je vais pouvoir me racheter une nouvelle voiture. Donc, je verrai ce que je me prendrai comme voiture. Soit une Golf GTI, soit une Mini Cooper, soit une Ford Focus. On me prendra bien un petit véhicule pas trop cher qu'on retrouve dans le crew. La Ford Focus me plairait bien. Alors... Toc. Mais bon, après, me connaissant, je vais plutôt prendre un vieux van à l'ancienne, de couleur noire, un truc dans le genre comme ça. C'est plus mon truc, moi, les véhicules à l'ancienne. Vous savez, le type fourgon biker, là, qu'on retrouve dans les Lost, dans GTA V. Alors, donc... Mission le contre. C'est parti pour le solo. Voyons si ça donne quelque chose. Qu'est-ce que tu veux ? Eh, salut Cam. Comment va ton copain Louis en ce moment ? Bordel, comment t'es au courant ? Dis-lui de se planquer. Élimine ce type et fais-lui mal. Voyons. Ouais, moi ça me plairait de m'acheter un van, juste pour vous dire, parce que comme je suis motard, y a rien de mieux quand vous avez un van. Vous pouvez mettre votre moto si elle est en panne, si vous avez un grand trajet à faire, que vous devez la stocker ou quoi que ce soit. On peut mettre sa moto dans son van, on peut dormir dans son van, on peut transporter ses meules, c'est idéal pour les déménagements. Dans les vannes avec pas mal de place, on peut mettre toute sa petite famille. Donc, moi je vous dis, j'ai passé l'âge de m'acheter une voiture qui est tuning, tout ça. Je préfère un véhicule utilitaire qui me servira. Donc si un jour vous croisez un van style agence touriste noir, ça sera moi. Je mettrai un gros logo Biohazard rouge dessus, hein, sur mon van noir. Et si vous me croisez en ville, ben, je pourrais me faire un petit coucou. Allez, de toute façon, tout ce que je dis, je le fais. Hein. Quand j'ai un projet en tête, j'arrive toujours au bout de mes rêves.
Attention. Voilà. Sa BMW là. Z4 Drive. Elle est morte. Bon, une petite mission, tranquille. Fastoche. Fastoche. C'est genre le mot que j'ai pas sorti depuis 15 ans, depuis que j'étais au CP, quoi. Alors, ouais, j'envoie la pièce au QG, de toute façon, j'ai que ça à faire. Louis a besoin d'une nouvelle caisse. Tu sais qu'il y a qu'une seule façon de régler ça. Pas forcément. Disparaît. On n'en est plus là. On se revoit bientôt. On va passer aux choses sérieuses. Achève Cam, ruine sa réputation en public, et on te fera monter en grade. Ça me semble pas mal. Cam va te défier, il aura pas le choix. Et j'aurai peut-être deux ou trois choses à te demander. Tiens-toi prêt. Alors, juste pour vous dire, la Mini Cooper, elle a une tenue de route énorme. Elle est hyper maniable. Sans doute parce que c'est une petite voiture, bien sûr. Alors, encore une mission pour nous. Alors, voyons voir. On va faire le point. Tous ensemble, hein, mes chers abonnés. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Je suis pas devin, j'ai pas fini le jeu, donc... Alors, on a deux missions. On a une mission course performance et une mission encore une course de performance. Et ben ça pourrait être pas mal. Donc, étant donné que c'est assez loin... Les Everglades, je vous les ai pas montrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va aller... Ah si, je crois qu'on avait fait une course. Bon, on va faire un truc, c'est qu'on va pas faire tout le voyage. Je vais me mettre à mi-distance. Voilà. Avec un... Oula. Ouais. Alors, quand c'est comme ça, on peut aller dans l'eau, mais avec un 4x4. Donc garage mobile. Je vais vous montrer un nouveau véhicule que j'ai fait l'acquisition. J'en ai tellement de toute façon. Le Chevrolet Silverado, je le trouve classe. Il est énorme. Voilà. En version tout terrain. Pareil Dakar. Donc là, la course performance, automatiquement, ça permettra de vous montrer mon hot rod que j'ai gagné il n'y a pas très longtemps. Aïe, aïe. Oui. Allez. Je vous lance un défi. À toi et à toute ta bande. Pour que t'appelles les flics, pas deux fois. Non, ça c'était moyen. On va la jouer avec l'eau cette fois. Oh, les crocodiles. Regardez-moi ça. Un crocodile, faut trop que je vous le montre. Alors attends, il est où? Il y en a plusieurs de toute façon. Attends, je leur ai fait peur. Ah, il y en a un juste ici, regardez. Il se carapate, le crocodile. Puis voilà, un truc qui est aussi génial par rapport... Bon, après, c'est pas comparable, vous m'excuserez, c'est pas comparable. On peut pas comparer The Crew à Need for Speed Rivals, mais... Ceux qui jurent que par les Need for Speed... j'ai des copains, je leur ai parlé de The Crew et enfin ils ont acheté The Crew, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que Need for Speed dans la vie. Quand je leur ai parlé qu'il y avait des animaux, que c'était libre, qu'on pouvait aller partout, casser tout, tout faire, personnaliser les véhicules et surtout qu'il y avait différents types, encore un point pour The Crew pour ça, c'est que vous avez différents types de voitures, que ce soit performance, rallye, raid, street, tout ça. Que les voitures se mettent à la Transformers dans votre garage, que la personnalisation soit beaucoup plus complète. Donc ouais, c'est pas comparable. The Crew gagne sur presque tous les points, juste à que Need for Speed est plus beau graphiquement sur une plus petite map. Donc c'est pas comparable. Mais ça n'empêche pas que moi j'aime Need for Speed Rivals et que je peux vous le conseiller pour vous changer d'air un petit peu. Voilà. Aïe. Voilà. Donc, course de performance. Avec mon nouveau hot rod, vous allez voir. Alors, j'ai voulu faire un hot rod à l'ancienne, mais du futur. Vous allez comprendre.
Alors, voilà, vous allez voir mon Hot Rod, ce que je lui ai fait niveau personnalisation. J'ai mis tout des pièces modernes, que des pièces futuristes. Donc ça fait vraiment le Hot Rod du futur, quoi. On se retrouve. Ouais, mais là j'en ai marre. Alors finissons-en. On va rouler pour le sud, pour la survie de notre crew. Le gagnant reste, le perdant dégage. Et quelle que soit l'issue, tu joueras le jeu? Évidemment. On règle ça sur la route. C'est maintenant ou jamais, Alex. Ratiboise-le. Ah, y a pas à dire, The Crew, c'est vraiment mon jeu de bagnole préféré. Reste en tête. Ah, elle est malade, là. On se calmer. Ah, il s'est pris une bagnole. Ah, l'accident, trop bien, j'en profite. C'est bon, ça, tu vas la voir. Putain, les bagnoles. Je suis concentré, hein. J'ai vraiment rien à dire, là je peux pas parler. C'est une course de vitesse là. Ah, oh, il fait un beau bruit. Hein. Est-ce qu'ils sont... Ah, ils sont juste derrière. Hein. Je vais grandir un petit peu la carte. Ah, c'est magnifique les Everglades. Si j'ai un accident, je suis mort là. Aïe aïe aïe. Bon bah ça va. Il reste derrière pour l'instant, je domine. Putain. Il reste 4 checkpoints. Je montre un petit peu le capot aussi. Aïe. Alors là, impossible de vous débattre quoi que ce soit sur le monde des jeux vidéo. Je suis tellement concentré. Moi qui ai toujours des trucs à dire. Des coups de gueule à pousser, des comparaisons à faire. De toute façon, vous me connaissez. Hein. Allez. Deux doubles freins à main. J'aime bien le cheval, ça fait penser à la marque Ford Mustang. Et en plus, j'ai une pièce de platine. Bon, j'en avais déjà une plus puissante, donc je gagne rien. Allez, c'est parti, retour en freeride. On dirait que t'as gagné, petit. Alors c'est sûr? Tu t'en vas? Je tiens parole. Et ben voilà. Regardez un petit peu quand même. Il y a aucune pièce qui est d'époque. Tout est moderne. Et ça lui met un sacré cachet à cette caisse. Hop là. Alors, ben on a bien avancé. On va avoir le temps de faire une dernière mission avant de se quitter pour que ça fasse un épisode d'une heure. Rapidement, vite. Bah, elle est pas très loin, elle est juste ici. Je vais directement me TP dessus. Pour vous faire gagner du temps.
ça sera encore une course performance. Donc on va changer de bagnole ce coup-ci. Je vais vous montrer une de mes nouvelles acquisitions. J'ai un truc à te faire faire. Pas de problème. T'as pas vraiment le choix. Voilà, la BM Z4 Drive en version performance. Oh, j'en ai tellement, de toute façon je pourrais montrer autre chose. Ah bah tiens, bah justement, on pourrait plutôt tester un nouveau véhicule dans les performances. On va tester la... Putain mais j'en ai tellement. Oh. Alors vous vous souvenez des coïncidences? Je viens de regarder dans mon stock de bagnoles, et moi qui adore le rouge, c'est la Ford GT, c'est ma voiture préférée. Il se trouve que ma Ford Mustang préférée, elle est en indice 666. Et j'ai rien fait, hein. Je viens de regarder ça dans mes bagnoles. C'est encore le hasard. Protoxic 166 avec sa voiture préférée Ford GT en performance 666. Ah mais... Franchement, le nombre de fois, si vous suivez bien ma chaîne, il y a tout le temps des coïncidences dans mes épisodes, c'est incroyable. Ouais, justement, une course performance. Ah bah allez, soyons fous, on va la faire avec celle-là. Juste, véhicule recommandé 400, j'ai une 666, bah c'est bon, hein. Alors j'adore cette voiture. Pour moi c'est vraiment le muscle car américain par excellence. Coburn veut que je tue un homme, et si je refuse, c'est moi qui le prends. Qu'est-ce qui se passe? Je poursuis le gars mais à bonne distance. Je suis sur une route parallèle. Ok, panique pas, école-le. Envoie-moi sa plaque. Je te tiens au courant. Alors ça c'est excellent. Avion, hélico, la totale. Alors attention, encore un tronçon coupé. Ça va finir en accident de toute façon. Ah, on vole par-dessus lui quoi. Aïe 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 aïe. Oh ça va, je peux reprendre la route après. Putain. Merde. Bon, j'ai une minute pour me le faire. Ne lâche pas. Le lâche plus. Alex, je crois qu'on a une solution. Arrête ce type. Je vais le placer sous protection. Comme t'as fait pour la V2 de Saint-Louis? Elle était idiote, têtue comme une mule. Ce mec-là, c'est un comptable qui est dans le caca jusqu'au cou. Il pourrait témoigner contre Coburn. Ok, je vais le suivre. Et toi, t'envoies des flics sur ma position. Bon bah merde, aïe. Pour l'instant faut pas le tuer, faut juste le suivre. Donc on va rester à bonne distance. Mission accomplie. Ah bah c'est bon. Voilà. Ah, ah ouais. Bon bah adieu ma voiture 666. Maintenant 678. T'as eu la main lourde là, Zoé. Je ne voulais pas prendre de risques par rapport à Coburn, alors je l'ai fait coffrer. Il ne va pas refaire surface avant un bon moment. Il est mort. Il est mort. Bien, tu roules pour moi maintenant. Allez, voyons voir ça. Alex, t'as fait du beau boulot avec Cam. Merci. Coburn va le liquider. Quoi? Ouais.
Coburn ne laisse jamais de traces. Shiv en sait beaucoup trop sur lui. Il ne peut pas prendre de risques. Quelle pourriture. On peut s'en foutre. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas comme ça que tu vois les choses. Je peux rien te cacher. Ben voilà. C'est sur cette belle mission qu'on va se laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous serez les bienvenus. Hein. Mes abonnés vous accueilleront à bras ouverts. On a une très bonne communauté. Tout le monde est sympa. Personne ne se prend la tête. C'est vraiment des vidéos détente avec Protoc. Je réponds à tous les commentaires. Vraiment. Allez-y, n'ayez pas peur. Donc je vous dis, je vous souhaite bienvenue d'avance. Donc on se retrouve pour le prochain épisode dans une semaine. En attendant, je vous dis salut à tous, c'était Protoxic 166.